Donc si vous avez des questions, on n'est pas beaucoup, donc ouais. Ça peut être sympa d'avoir une discussion. Well, technically this question of emotion that's kind of running through actually all three papers pretty much, because I think it's really important. I'm not sure if this is going to be a question or if this is going to be a kind of comment that invites further comments, to see what it goes. But I was really struck by the fact that, you know, all three of you were, to a certain extent, were hunting around the question of emotion and the location of emotion and whose emotions are in play. Because it strikes me that one of the things that is easy to kind of overlook completely when you're thinking about the Bonnier is emotional response on the part of people practicing the spaces, if we're thinking of those kinds of terms. But also, I'd argue as well, the people who are doing the planning, actually. And this is a very kind of, you know, the whole thing is an emotional activity. You're looking at, I was very struck this morning when Julia was talking about planning documents. I mean, you're absolutely right. You've got to pay attention to those. But very often there's quite a lot of emotion embedded in those kinds of documents as well. And so there's a sense in which an approach to the Bonnier really needs to pay attention to capture that kind of effective emotional response to the space, but also to thinking about space. And I was kind of wondering what sort of critical vocabulary you found, this, I suppose this is where my question's coming to actually. What sort of critical vocabulary is most useful for trying to get to grips with that kind of emotional quality of the Bonnier as a space, or Bonnier as spaces, and how we can kind of deal with it and engage with it in a productive way? Because I think I was really struck by the fact you were all kind of talking about it, and I think it's really important to do it. How do we kind of progress that conversation about the kind of the emotions that are at stake in thinking about space? Well, if I may, I think the starting point for a critical vocabulary would be this recognition that it stems from, I think, this whole thing about affect theory in the Anglophone world right now stems from Deleuze's work and Spinoza. Whatever. The point being that emotions are political because they don't belong to anyone. They happen in between, right? Nobody owns love, nobody owns anger. So they're a good starting point for any sort of political reading of the Bonnier. That being said, I think that it doesn't stop at emotions as well. What you said, Alex, about walking being overrated today, I think you're absolutely right. And the kind of project, like any form of project that wants to interact with the Bonnier has to take into account the fact that speed is a factor. The speed of movement itself, it's not an emotion exactly, but it's a criterion that we would normally leave out of a critical discourse. Why don't we start with it instead and try to work? I don't know what you have to say about that. Well, I'm more afraid of the image of Bonnier than the Parisian one, because you freeze to death in 10 minutes most of the time. Right, you know, in these places were built for, you know, yeah, certain modes. I would agree. I mean, the one thing I was going to poke back earlier is about this concept of banlieues plural versus banlieue singular. And for me, I mean, I'm okay with banlieue plural if we're talking about the difference between a Nîmes banlieue, for instance, as a resident of a Bordelais neighborhood that is very, like, you know, essentially right on the edge of the two Grand cities of the north of Bordeaux, which are actually, you know, to talk about banlieue plural in the relationship between two is very different to Nîmes. And so the absence in some ways of that politics in that same way is very fascinating. But when it comes to talking about the different neighborhoods in Paris, I would push back, because there is only one banlieue in Paris, and it's the whole thing. And for me, it's about how do you overcome these really deep emotional relationships that, again, Americans have and the Brits have. I mean, in this country, it's the discourse of the shithole. Right? Mm. That place is a shithole, that neighborhood is a shithole, that city is a shithole. And there's a hierarchy of shitholes. So how do we overcome, there are these subtle different, these real deep, like, emotional relationship point that people won't even go to learn, like, I feel, you know, even educated students. I mean, it's one thing when, you know, the Marine Le Pens of the world don't like things, okay. But it affects so many of us and some of our students. I don't know how to overcome, you know, I went to all these places that 95% of my Parisian critical geography scholarly friends had never even considered going, and they're foundational to the history of
the whole production of the region. I don't know how we ever get people to be more interested in this in spaces. I like that. I mean, some of the visual mediums are exciting. Is this one of the ways that you can get young people more excited about exploration? Because sometimes when they study psychogeography, they get excited, and then they all think that, that they're getting bored, and then they go mess around, which is, you know, I think useful. Yeah, I mean, I don't think I have anything particularly to add. In terms of your question was what kind of vocabulary we can as researchers. I guess so. Yeah, I mean, and it's, it was really. I mean, you know, I didn't even have any answer. Obviously, yeah, I mean, it's kind of because you. I mean, the obvious place to turn is like the effective turn in geography, isn't it? Which is going to happen then. Yeah. You know, geographers are discovering emotion. Yeah. Kind of thing. No disrespect, but. But at the same time, that comes with it. That brings with it certain kind of assumptions and paradigms, doesn't it? You know, that's kind of coming with that particular perspective. And I think, I mean, I think it's important to go there. It's more kind of like keeping the emotion visible, actually, because it's very easy to kind of lose it, isn't it, in the discussion? You know, and remembering that technocrats have emotions too, almost. You know, kind of looking for where the emotion is to be found in. I mean, the quote that you had from Vacan. Mm-hmm. Yeah, the discourse. The kind of it's there in the posture, it's there in the voice, it's there. I mean, it's a vocabulary of, you know, it's a posture of disgust, but it's kind of it's an emotional, you know, there's a visceral response going on there. So I don't know. Yeah, it was just a kind of an invitation to think about that kind of how we keep that dimension of the question. Oh, in plan, yeah, I think so. Si il y a des questions aussi en français, je sais que nous deux on a parlé en anglais oui. Extrêmement vite. Oui, je... Tu parles à un plus vite que moi. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. Ouais. Moi, j'ai une question en français. Ouais, c'est vous avez parlé fort justement de Paris qui gagne un peu sur l'approche banlieue avec la ligne U4, notamment. Il y a d'autres exemples dans la région parisienne. Vous avez parlé fort justement également de la campagne et de l'agriculture qui subsiste, qui a marqué la banlieue. Mais vous n'avez pas évoqué un phénomène que vous avez évacué dès le début. Comment la banlieue gagne sur Paris ? Je pense notamment à des quartiers comme le 19e, ouais. Ou le 20e, ou même dans le 13e. Il y a des choses qui circulent et qui. Dans les trois sens. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai passé tout mon temps à Paris en deux ans dans le 18e. Donc, on est. Oui, des gens qui parlent comme ça, de banlieue qui a gagné à Paris, mais pour moi, c'était toujours Paris. Pour moi, c'est normal. Donc moi je ne pense pas que... J'ai vu en fait, ouais, donc c'est juste peut-être c'est l'ignorance américaine qui pour moi ça c'était toujours mon Paris. Ouais, je connais un peu, j'ai connu Paris un peu en 95, l'ex-Paris qui est juste comme touriste pendant 4 journées. Donc pour moi c'est normal, au moment où j'ai passé toute ma vie en New York et en San Francisco. Je sais, c'est une ville, c'était un peu normal. Donc, je sais que les Parisiennes pensent que c'est un changement dans les deux quartiers, mais pour moi, c'était juste les portes. J'ai fait la plupart du voyage dans le 9-3 à cause de que ça c'était à côté de mes quartiers. Mais, donc, c'est un peu la différence. Vous comprenez? J'ai pas pensé dans. C'est difficile pour une échangeur, au moins comme moi, à penser des lignes entre le banlieue et Paris, entre muraux, le même que les Français pensent. C'est une autre vue du Paris que je n'ai jamais eue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais profiter de l'occasion d'avoir les personnes du continent américain pour pour reprendre tout un autre cliché. On dit parfois
about the average American culture. Pour eux, la France, c'est Paris. Paris, c'est la Tour Eiffel. Une ville aussi, ils connaissent pas mieux de par leur propre expérience. Et que. Il y a quand même Provence. Les deux. Donc, et que seulement après les émeutes de 2005, ils ont une conscience qu'il y a une banlieue autour de Paris. Est-ce que donc l'Américain ordinaire, normal, a une conscience de cette hétérogénéité qui se cache derrière ce terme de banlieue ou... Je pense que oui. Il y a deux choses. Il y a un Canadien et un Américain ici. Et je pense que... Non, mais sérieusement, là, on a vraiment une ligne de différenciation entre les deux pays qui, souvent, semblent être les mêmes. Aux États-Unis, il y a une très grande conscience. L'histoire de la banlieue, de la suburbanisation, a été institutionnalisée. Parce qu'à bien des égards, les Lakewood de Los Angeles ou Levittown, c'est des formes historiques pour les États-Unis. Alors, ils sont conscients que la banlieue, c'est... une invention, mais il y a des histoires de la banlieue. Au Canada, ce n'est pas le cas. Alors, au Canada, il y a moins de conscience de la ligne de division. Mais à propos de ta question, il me semble, moi je veux juste peut-être lancer une idée, c'est que ce qui fait la reconnaissance d'une ville, c'est ce qu'on appelle le monument, la monumentalité. Ça peut être la Tour Eiffel, ça peut être Paris-Plage, ça peut être un champ de lavande, mais ça reste un monument. Et je pense que la banlieue nord-américaine, surtout, elle se définit par son absence de monument évident. Moi, avec le projet que je fais, je voulais voir si des gens pouvaient trouver leur propre monument ou si ça pouvait converger vers l'invention de nouveaux monuments simplement par la déambulation comme ça. Mais ce serait ça, moi, à mon avis. L'absence de monument versus la présence d'une monumentalité. Oui, il faut dire, par exemple, que nous, on est absolument nuls. On n'a pas d'éducation en géographie en tous les États-Unis. Donc, la plupart des États-Unis, les gens de Ohio ne connaissent pas vraiment la vraie géographie de Floride. Et quand même les Floridiens ne connaissent pas vraiment Californie. C'est juste, on est absolument nuls en géographie partout comme une population. La France, la population. Non, il y a. Je crois que après les émeutes, il n'y a pas une forte connaissance de la réalité et de la France. Il y a de temps en temps des petites intervenantes culturelles qui sont importantes, MC Solar, un point. Donc après MC Solar, cet album était bien connu. En San Francisco, on l'a changé à New York, en Philadelphie, dans les grandes villes, voilà, où hip-hop était importante. Tony Parker a fait un effet. Il y a un effet. Tony Parker et. Joachim Noah un peu, dans quelques villes, un peu avec les liens entre les hip-hop. Je sais pas, donc il y a des petites moments où on a des liens culturels qui changent un peu l'idée de la France. Mais que dans un espace bobo ou un espace de certaines cultures urbaines, par exemple. Le Parker est un peu populaire maintenant, donc les gens qui savent que c'est assez quelque chose de français. Donc, ce sont des petits endroits. Donc, la chose des États-Unis, c'est qu'on est 310 millions. Donc, si on parle d'une fraction d'une pourcente, c'est encore une grande progression des gens qui pensent. Mais si tu veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent la majorité, non, la France, c'est Paris, la Provence. Un espace où il y avait la guerre, Normandie, ouais. Pour la plupart, c'est moi, encore les plages de Normandie. Alors moi j'ai une question, pour revenir sur les clichés, et en tant que géographe, ce qui m'intéressait dans votre présentation, c'est les territoires, parce que vous étiez chacun à des échelles spatiales différentes. Et alors, est-ce que sur ces différentes échelles spatiales, on retrouve les mêmes clichés ? Est-ce que les clichés sont spécifiques ? Est-ce qu'on peut accrocher les clichés à une échelle spécifique ? Ou est-ce que finalement les clichés sont à peu près les mêmes pour toutes les banlieues ? Genre banlieue, c'est banlieue pluriel. Hein. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien entre territoire et espace, enfin échelle spatiale et clichés ? Ma réponse est très rapide parce que je pense que les clichés sont les mêmes, ils sont plus ou moins
ils ont vécu plus ou moins intensément. C'est-à-dire que un Parisien va savoir que dans le Nord, à Saint-Denis, telle et telle population, il y a telle et telle. Et pour moi, les clichés dont on parle, je pense qu'on jongle entre une sorte de banlieue-cité et une banlieue plutôt prolétaire, ex-banlieue rouge, etc. Mais pour parler exclusivement de la banlieue-cité, puisque c'est ça que je connais le mieux, les clichés sont vraiment... Les gens de Nîmes parlent des banlieues nîmoises comme des banlieues de Paris. C'est vraiment... Le langage est complètement absorbé, c'est-à-dire que c'est rare d'avoir des documentaires télévisuels qui parlent des banlieues de Nîmes, ça a été fait, mais la plupart du temps, on n'entend parler que des banlieues de Paris. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment... Le paradigme reste Paris. D'ailleurs, souvent, dans les recherches, c'est la même chose. Et donc, même si on veut se battre contre les clichés, on se bat contre les clichés qui se rapportent à la banlieue de Paris, et c'est... Plus de Marseille quand même. Pardon ? Plus de Marseille. Oui, Marseille aussi, Marseille aussi. Marseille est un peu plus petite échelle, mais Marseille aussi. Et Lyon. Merci, je ne sais pas. Je crois que, peut-être on va prendre un café, tea break, pour les Anglais. Donc, merci.